Christelle, donc tu es de la DDTM 40. Quelles sont tes missions au sein de cette DDTM? Alors depuis 2 ans, je suis contrôleur CRC, c'est-à-dire que j'assure le contrôle des règles de la construction pour les logements neufs destinés à la location ou en VFA et ou mis à disposition. D'accord. Et les moyens que tu as pour exercer tes missions, elles sont plutôt comment? Alors moi, je n'ai pas trop à me plaindre au niveau de mon bureau, puisqu'on a eu un renforcement. Je suis arrivée dans le cadre d'un renforcement du bureau, mais c'est vrai que les missions de la DTM depuis 2007, hein, depuis qu'on a fusionné, qu'on est devenu depuis la décentralisation en 2007 et la fusion avec l'agriculture en 2012, on a vu l'évolution des missions et puis malheureusement la disparition de missions qui étaient les missions que les DDE portaient avant, comme l'ADS, comme la l'ingénierie publique, comme la TESAT. Et c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver maintenant et à avoir une perspective dans les années futures du travail et des missions que l'on va pouvoir effectuer. D'accord, donc le quotidien pour les personnels qui sont avec toi est un peu plus difficile, de ce que je comprends. Oui, tout à fait, puisque les personnels aussi agricoles, on sait que la PAC va les missions assurées par les personnels agricoles dans le cadre de la PAC vont aussi disparaître d'ici la fin de l'année, enfin c'est ce qui est programmé. Et les agents sont inquiets de leur futur et de pouvoir exercer leur mission au mieux, parce qu'ils sont attachés aussi à ces missions de service public. Ils y trouvent un intérêt et ils se trouvent utiles de toute façon dans ce cadre-là. D'accord. En quoi justement le vote CGT apporte une réponse à ces personnels et pourquoi vont-ils être en tout cas tentés de voter CGT dans le cadre des élections professionnelles? Parce que la CGT est un syndicat revendicatif et qu'il se bat aux côtés des agents dans un but collectif, hein, de toute façon, pour que les missions de service public perdurent et que les usagers y trouvent leur compte aussi. Très bien, je te remercie Christelle, bonne journée. Merci.